Je suis un peu déçu de notre première mi-temps où je trouve qu'on a, on a un petit peu trop joué sur le même tempo que Brest. Voilà. Je pense qu'on est capable de jouer beaucoup plus vite comme on l'a fait en deuxième mi-temps. C'était aussi dû à des situations défensives, des réglages défensifs, notamment sur le pivot. On était un peu en difficulté dans l'entame de match sur les passes de Martin Manguet. Voilà. Une fois qu'on a réussi à corriger ça, on était beaucoup plus efficace dans le changement de statut, sur le jeu rapide. Voilà. Après, je pense que avec quelques décisions un peu plus cohérentes de l'autre côté du terrain, l'écart aurait même pu être un peu plus important parce que je pense qu'il y a quelques situations à 6 mètres qui sont vraiment compliquées à entendre. Donc voilà, mais c'est souvent le lot quand on est à l'extérieur en Coupe d'Europe. Donc il faut savoir rester calme, accepter cette situation. Mais je pense qu'on a vraiment fait la deuxième mi-temps presque parfaite. Voilà. Je pense qu'on a eu le contrôle du match pendant tout le match. Brest a fait un match comme on le connaît, courageux, à domicile, elles ne perdent pas souvent. Voilà, donc c'est pour nous une belle performance que de s'imposer ici, surtout que maintenant il faut qu'elles viennent à Rostov et qu'elles vont jouer mercredi soir et que nous on a à notre tour une semaine pour bien se préparer. Donc on avait joué mercredi contre le troisième du championnat russe, un gros match à la maison, plus le déplacement. Et je pense qu'on sera vraiment beaucoup plus frais samedi prochain. Voilà. On peut être fier du match. Parce que sincèrement, là devant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'équipe qui s'est présentée devant nous. On a été capable de tenir la dragée haute à une équipe comme Rostov. Ça n'est pas fallu de peu, il s'est fallu d'un petit peu d'expérience. À la mi-temps, on aurait pu être égalité ou même devant. Des petits détails qui font qu'avec cette équipe-là, on est vite puni. En deuxième mi-temps, on était courageux, on a eu un coup d'un temps faible, un sérieux temps faible. Mais on a eu le courage, on ne s'est pas laissé lâcher, on est resté à 5 buts, on aurait pu venir peut-être à 4 ou 3 buts. Et les filles ont eu beaucoup de courage et moi, je suis fier de ce qu'ont fait les filles. Maintenant, il y a Rostov peut-être dans une semaine, mais surtout avant, il y a Chambray. Donc, on prend les matchs les uns après les autres. Et sincèrement, le match retour de Rostov, pour l'instant, on s'en fout. On fera le match retour, on essaiera de faire le meilleur résultat possible. Et puis, basta. Voilà. Là, dans les buts, je pense que l'un d'eux, dans les buts, le but de Rostov, nous a vraiment puni sur les ailes. Et ça a à un moment donné fait la différence parce que c'est des moments, en temps de bascule, ils sont importants. Quoi. On rate 3-4 tirs aux ailes en deuxième mi-temps et ça fait la bascule. Quoi. Et là, on prend des contre-attaques. Donc c'est des petits détails, mais qui font qu'à un moment donné, les buts qu'on ne met pas, on se les prend. Donc l'un d'eux dans les buts, qui est quand même une légende dans les buts en Norvège,
Et puis après, toute l'armada, c'est-à-dire que quand elles sortent une joueuse, on a une star qui se pointe. Quoi. Donc là, c'était difficile, ça a été difficile, mais malgré tout, on a réussi à défendre sérieusement parce que si on ne prend pas quelques buts de contre-attaque, on ne prend pas tant que ça. Et quand on regarde un petit peu les résultats de Rostov dans les autres matchs, elles sont capables de marquer beaucoup de buts. Donc défensivement, on a plutôt été bien. C'est offensivement où on manque de certaines choses pour pouvoir faire la différence. C'était un gros, gros match. Donc on a pu faire tout ce qu'on on a donné tout ce qu'on avait. Le score final 26-21, bah, écoutez, on a essayé de minimiser l'écart. Donc écoutez, tant mieux. Ouais. Les petits détails ont compté énormément sur ce match. Laurent nous l'a dit à la mi-temps, qu'il fallait être très très concentré. Parce qu'un détail, ça se paye cash. Elle le finalise directement par un but. Donc c'est vrai que c'est une équipe où il faut être concentré de la 0 à la 60e minute. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, il y a encore des détails à régler. Parce qu'on a quand même pris que 26 buts. On ne s'est pas pris moins 10. On a essayé de minimiser l'écart jusqu'au bout. Donc on peut être satisfaite quand même. Après, voilà, il faudra encore plus donner là-bas pour espérer les embêter encore plus. Voilà. Get to work on time.